Quel travail d'équipe. Lila. Donne-moi du haut. À l'intérieur, ça sera jaune. Waouh, trop classe. Nous avons découpé un carré de 5 cm dans un carton. Nous avons redécoupé en rectangle. On va coincer les cordes à l'intérieur et recoller par la suite. Okay, ok. Et ça, on va le coller sur la boîte. Donc ici et là. Alors on va prendre de la ficelle. Alors contrairement à une vraie guitare, en fait la corde n'arrive pas jusqu'en haut du manche. Donc elle va uniquement de ce point-ci à ce point-là. Donc on va prendre à peu près la dimension, dépasser un peu. Et on va découper le premier morceau. Mais du coup il va falloir faire plusieurs. Donc il y aura trois cordes. Sur ce côté, j'ai mis plein de baguettes. Ouais. Après le devant. Mm-hmm. Montre. Et après là, j'ai écrit musique avec un. Et le i, au lieu d'un point, j'ai mis un cœur. Et okay. J'ai mis un point d'exclamation. Donc voici la guitare de maman. Mm-hmm. Autrement dit, Cécile. Donc voilà le devant. Mm-hmm. Ça, c'est du papier crépon. Donc mm-hmm. Sur les côtés. Après ici, j'ai écrit rock avec une étoile. Rockstar. Une étoile en anglais, c'est une star. Et sur le côté, il y a rien. Et voilà, du crépon. Voilà. Et là, le manche. Allez les filles, on rock. Ça côté de guitare, ma fille. C'est pas une poêle à frire. Moi, je vais la garder comme ça va faire une boîte à rangement. Excellent, excellent. Bon, et eh bien, nous avons fait une activité rock and roll. Alors, je vous propose, après cette vidéo, de regarder une vidéo zen, par exemple comme les bouteilles relaxantes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimée, cliquez sur j'aime. Et on vous retrouve très vite sur le blog leo-meros.com. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Toujours avoir une petite baguette magique chez soi.
conseils.